dans le cadre l'opération Pièce Jaune, qui se déroule chaque année au sein de l'Hexagone depuis déjà 34 ans, France Télévisions a décidé de s'associer avec la Fondation des Hôpitaux, afin de mettre en place la première édition du Gala des Pièces Jaunes. Il s'agit en fait d'un grand concert-événement avec une affiche exceptionnelle, qui aura lieu sur la scène du Zénith de Paris. Pour le Gala des Pièces Jaunes, des artistes incontournables de la scène française et internationale se mobilisent pour lever des fonds et améliorer le cadre de vie des enfants et adolescents hospitalisés ou en souffrance. Réunis autour d'une belle cause au Zénith de Paris, ils nous offriront un spectacle unique fait de moments forts et de collaborations inattendues, a indiqué France 2 dans un communiqué. De nombreux artistes se produiront sur scène pour l'occasion, comme par exemple, Blackpink, Pharrell Williams, Mika, Pascal Obispo, Vianney, Gauthier Capuçon, Katia Bouniatichvili, Daniel Lozakovic, etc. De plus, ils seront tous accompagnés d'un orchestre symphonique, qui a été créé spécialement pour l'occasion. Stars internationales de la variété et du classique s'engagent ensemble pour créer des moments d'émotion inoubliables tout au long de la soirée et faire de ce gala des pièces jaunes un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, a ajouté la chaîne publique. Le gala des pièces jaunes, la mythique tirelire en carton de retour cette année pour rappel, l'opération Pièce Jaune est le grand rendez-vous caritatif du début d'année avec son emblématique tirelire. Grâce à l'opération Pièce Jaune, la Fondation des Hôpitaux soutient des milliers de projets dans les établissements de santé pédiatrique publics et privés à but non lucratif. Cette année, un accent particulier sera mis sur le bien-être psychologique des jeunes, via un soutien renforcé aux maisons des adolescents. La campagne Pièce Jaune prendra place cette année du 11 janvier au 4 février 2023 avec le retour de la tirelire, absente en 2021 en raison du contexte sanitaire et remplacée en 2022 par une tirelire à confectionner soi-même. 2023 marque le grand retour de la tirelire en carton, a souligné France 2.